vidéos de ménage, d'organisation, de rangement, etc. Voilà, je vous fais une vidéo parce qu'elle a été encore une fois beaucoup demandée, celle-ci. C'est le ménage d'avant vacances. Voilà, tout ce qu'on fait avant de partir en vacances. Donc moi, j'ai pas mal de boulot parce que je fais mon ménage quotidien, certes, mais il y a plein de choses que je fais que de manière ponctuelle. Et du coup, l'heure est arrivée de faire les choses que je ne fais pas tous les jours et c'est un peu catastrophique. Alors aujourd'hui dans cette partie 1, enfin épisode 1, partie 1, on va faire le salon de fond en comble et le jardin. Mais le jardin ça va être très rapide, ça va être un petit coup de balai sur la terrasse. Un petit coup de balai sur la terrasse, ça va être un petit coup de balayette sur le... Comment dire, sur le canapé, je vais vous montrer, sur le canapé qui est juste là. Ça va être donné un petit coup donc sur la table, je sais pas si vous allez voir avec le soleil, sur la table qui est là, enlever les petites poussières qui sont là, rabattre tout ça, bon après enlever des coussins etc, mais voilà, faire le nettoyage en gros de la terrasse et aussi passer la tondeuse, ranger la piscine etc, mais ça je le ferai un peu plus tard, juste vraiment avant de partir. Là vraiment ça va être la tondeuse, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Donc c'est parti maintenant. Du coup, je suis partie humidifier une éponge comme ça pour rincer le produit que je viens de mettre. C'est parti. Alors, une fois que les extérieurs sont faits, enfin le jardin, on va pouvoir passer maintenant à ce que je fais très rarement. Donc là, comme c'est les vacances, dans pas très longtemps, je vais m'attaquer aux fenêtres. À l'intérieur, il y a toujours de la poussière, des trucs, enfin des machins de feuilles. Enfin, c'est toujours un peu crado et ça, je le fais vraiment pas très souvent. Mais là, j'ai vraiment envie de le faire pour
que pour retrouver une maison propre en rentrant. Donc là, j'ai testé le produit méthode pour les vitres et je dois vous dire en toute franchise que je n'ai pas du tout aimé. Il laisse beaucoup, 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 beaucoup de traces et c'est une vraie galère, franchement, pour bien nettoyer la vitre. Donc au final, je vais venir faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire avec de l'eau, tout simplement. Je nettoie les vitres à l'eau parce qu'elles sont pas excessivement sales. Il y a des traces, surtout de l'autre côté parce que les enfants mettent toujours leurs mains sur les vitres, mais il n'y a pas énormément de saleté, donc moi juste avec de l'eau chaude, ça me le fait très bien et j'ai jamais aucune trace. Je prends une chiffonnette que je trempe dans l'eau chaude, je viens mouiller la vitre avec et ensuite je viens essuyer avec une chiffonnette mais sèche cette fois, mais vraiment très très sèche et du coup ça enlève, enfin pour enlever toutes les traces et ça marche du tonnerre. Ensuite, je vais venir passer donc à la partie canapé. Voilà, je vais vraiment retirer tous les coussins et faire avec l'aspirateur. Je vais mettre le long en bout et je vais vraiment aspirer à l'intérieur du canapé parce qu'il y a toujours des miettes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est une vraie catastrophe. Et l'aspirateur, si je le passe que comme ça, ça suffit pas. Ensuite, je vais venir ouvrir en grand et tapoter les coussins pour enlever un maximum de poussière. Ça, c'est pareil, il y en a toujours dans les coussins. On profite qu'il fasse beau pour aérer en grand sa maison, surtout avant de partir en vacances puisque la maison va rester enfermée. Et c'est très très important que ça reste, enfin que ce soit aéré avant de partir pour faire entrer un maximum d'air frais et pur dans la maison. Ensuite, je vais venir passer donc à la bibliothèque que je fais en toute franchise très très rarement. Vous voyez la poussière, là c'est vraiment la catastrophe. Je vais venir retirer les livres et puis je vais enlever la poussière en fait sur les étagères. Et j'en profite en même temps pour remettre les livres, enfin pour retrier les livres, donc tous les livres de cuisine ensemble, les livres de voyage ensemble, les livres romans ensemble, et parce que je m'y retrouvais plus. Je vais venir mettre les jeux de société, puzzle, dans le garage qui sera la future salle à manger. Donc ça, je vous en parlerai dans un vlog. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a plus de table de salle à manger dans le salon. Et maintenant, on va venir passer au meuble télé. Donc derrière le meuble télé, il y a toujours, toujours des jouets, des papiers, des voitures. Il y a toujours un maximum de choses. Je sais pas comment les enfants s'y prennent, mais c'est toujours le gros bazar. Et du coup, il y a aussi beaucoup, beaucoup de poussière.
je vais m'attaquer maintenant à la vitre, enfin l'écran de la télé qui est toujours pareil, beurré, beurré, de chez beurré. Voilà, les enfants mettent leurs mains dans la bouche, puis ensuite ils mettent leurs mains sur l'écran. Donc c'est la catastrophe. Et pour le coup, le produit You bleu est vraiment efficace et j'aime beaucoup l'odeur, elle est agréable. Donc je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est, mais en tout cas c'est très frais, très agréable. Enfin, je n'y ai terminé par la serpillière. Du coup, j'en profite pour faire derrière le meuble télé parce que ça, je le fais jamais, jamais. Je ouvre en grand encore pour que ça sèche plus vite. J'espère que cette vidéo ménage routine vous a motivé, j'espère qu'elle vous aidera à faire vous aussi votre ménage pour avoir une maison propre et nickel en rentrant des vacances. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.